pour nous, ces rencontres avec les actionnaires individuels sont très importantes parce qu'on a construit cette belle histoire AXA avec nos actionnaires. Et l'échange, le feedback, mais aussi l'explication de notre stratégie, pour nous, est très important. On a chaque année l'Assemblée générale où c'est un temps fort de présentation, d'explication, d'échange. Mais en plus, on veut vraiment aller chaque année dans une des régions en France pour échanger plus avec les actionnaires individuels. Et en plus de ça, on a aussi une équipe dédiée qui s'occupe des actionnaires individuels pour les accompagner, pour leur expliquer plus et aussi prendre leur feedback pendant l'année. En 2018, c'était certainement une année de grands changements. On a poursuivi notre stratégie de se focaliser plus vers les risques techniques et ça se marque dans deux parts. Un, c'est certainement l'acquisition d'XL qui nous fait l'assureur le plus grand au niveau mondial des risques d'entreprise. Et deuxièmement, la forte croissance dans nos segments préférés, la santé, la protection et les risques entreprises. En même temps, on a réussi à produire des résultats opérationnels qui sont très bons, plus 9% des profits. Et en même temps, on a aussi retrouvé une bonne balance entre croissance et profit. Nous sommes devant une nouvelle âge d'or de l'assurance. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux risques qui émergent et aussi beaucoup de besoins de protection. Aujourd'hui, nous sommes très bien dans le paiement des sinistres et on veut vraiment se développer vers des services autour de la couverture de l'assurance pour mieux accompagner nos clients dans leur vie avec le but que nos clients puissent vivre une meilleure vie. C'est une grande ambition et notre ambition est vraiment d'être aussi le leader du 21e siècle de l'assurance.